Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je fais tous les mois, les favoris. Donc on se retrouve pour ce janvier. A tout de suite. Ça sera très court parce que finalement j'ai pas utilisé beaucoup de choses lors de mon voyage, mais il y a des choses qui se sont imposées et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc on passe tout de suite à la catégorie des soins. Il y a un seul élément, c'est mon savon clinique que j'ai renouvelé aux États-Unis mais que j'utilisais déjà quand j'étais en France. Donc c'est le savon visage liquide doux pour les peaux mixtes à grasse. J'adore clairement ce gel pour le visage parce qu'il nettoie la peau en profondeur sans l'agresser. Il ne laisse pas la peau sèche après l'avoir utilisé, ce qui est le défaut de beaucoup de savons pour la peau mixte. Et bah c'est clinique quoi, c'est la seule marque à laquelle j'ai vraiment rien à reprocher, qui a toujours fonctionné sur moi, qui a toujours eu des effets assez dingues sur moi. Donc voilà, donc ce savon je le fais mousser avec ma brosse tout sous ongle matin et soir, et c'est un vrai favori, et je pense que de toute façon c'est un basique dans ma salle de bain. Donc voilà. Ensuite on passe à un produit que je n'ai jamais mentionné ici. C'est un type de produit qu'on utilise certainement toutes, à savoir quelque chose pour retirer les poils, parce que ce n'est jamais très glorieux d'avoir plein de poils sur les jambes. Donc en général moi je vais à l'épilation en institut pour me faire enlever les poils des jambes avec de la cire. Bah, oh là là, le sujet bien glamour. Mais comme j'étais en voyage, même si je l'ai fait avant, il y a forcément des petites retouches, des repousses et tout ça, donc je n'ai pas pu faire sans d'emporter une crème dépilatoire. Et donc ça a été ma crème dépilatoire Laurence Dumont, qui est pour les peaux noires et métissées. Donc j'étais assez étonnée de voir une crème dépilatoire spécialisée pour les peaux noires et métissées. Je me demandais en quoi les poils des peaux noires sont différents des poils des peaux blanches ou des peaux asiatiques par exemple, je ne sais pas. Donc apparemment c'est parce que les peaux noires, et ce qui est vrai, ont besoin de plus d'hydratation. Donc du coup cette crème est enrichie en beurre de karité, donc qui est beaucoup plus nourrissant qu'une crème dépilatoire basique. Donc écoutez, j'ai été positivement surprise. Il enlève les poils, mais ça c'est comme vite, nerf, comme toutes les crèmes dépilatoires, mais il laisse la peau douce et effectivement pas sèche. Elle sent pas trop mauvais, parce que c'est vraiment le défaut pour les crèmes dépilatoires. Je déteste l'odeur des crèmes dépilatoires. Quand j'étais petite et que j'entrais dans la salle de bain et que du coup ma mère venait de s'épiler les jambes et qu'il y avait cette odeur, je comprenais pas ce que c'était, je détestais l'odeur. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas l'odeur, et là ça va, c'est pas trop dégoûtant. Enfin, il n'y a pas l'odeur agressive des crèmes dépilatoires comme Vite par exemple. Donc je n'ai pas eu à regretter des poils incarnés, je n'ai pas eu à regretter une pousse agressive. J'ai été vraiment positivement surprise. Donc voilà, je pense que c'est une marque dont on n'entend pas vraiment parler en général, enfin que moi je connaissais pas, qui est donc Laurence Dumont, et donc c'est leur crème au karité. Donc une petite spatule qui est libre avec, et c'est bien pratique quand on voyage. Maintenant la catégorie du maquillage, et je commence tout de suite avec un pinceau dont je suis tombée amoureuse il y a un mois et que je n'ai pas quitté. C'est le Mr. Big de Etam. Donc en fait c'est le Kabuki de chez Etam. J'ai jamais vu un pinceau aussi dense, aussi gros, aussi rose. C'est la couleur, j'avoue, qui m'a plu, qui m'a attirée, et la densité des poils et aussi leur douceur. C'est une douceur que, enfin, indéfinissable. Il faut absolument que vous alliez le voir en magasin. J'avais jamais testé les pinceaux Etam, j'entendais beaucoup de bien, même pour leur gamme de maquillage qui vient de sortir, enfin qui vient de sortir il y a quelques mois quand même, et j'ai été vraiment très positivement surprise. Donc voilà, le Kabuki Mr. Big est un vrai favori pour moi ce mois-ci. Je l'ai utilisé tout ce mois-ci. Il est gros, tout doux, il est tout doux, et il est rose. Donc sur ma coiffeuse, il fait du meilleur effet. Il coûte 15€ je crois, ce qui est vraiment pas beaucoup pour un kabuki de cette qualité. Il vaut largement un Sigma ou plein d'autres pinceaux de marque qu'on connaît. Donc voilà, donc j'ai vraiment été séduite. Ensuite, un favori dont je vous ai parlé il y a certainement quelques mois, mais que j'utilise en fait tous les mois. Et ce mois-ci, pourquoi il est revenu, c'est mon eyeliner de chez Guerlain.
qui est en pinceau, donc avec le petit réservoir liquide à l'intérieur. Pourquoi je l'ai adoré, c'est parce que Monsieur Cerise n'aime pas trop quand je me maquille de manière assez franche et visée, par exemple comme là tout de suite. Il préfère quand je fais des maquillages beaucoup plus nude, très très dégagé, voire presque pas maquillé. Vous avez pu le voir dans mes vlogs et c'est assez pratique d'ailleurs. Et donc j'ai utilisé beaucoup mon eyeliner pour souligner mon regard de manière assez discrète. Et donc il m'a été d'un vrai secours. Cet eyeliner est dense et noir et vraiment opaque et c'est ça que j'aime. Lorsqu'on le met, il est mat et il est vraiment noir. Enfin, j'ai vraiment été déçue par beaucoup d'eyeliner, mais celui-là a mon amour pour la fin de ma vie. Alors il est un petit peu cher, je crois qu'il coûte 25 euros ou un petit peu plus, mais il est vraiment parfait. En plus, son design est magnifique, c'est du vert. Alors il faut faire un petit peu attention lorsqu'on voyage, mais voilà, on peut agrandir le trait, le faire plus fin ou plus gros, vraiment moduler comme on veut au fil de ses envies. Et j'ai, voilà, c'est un basique pour moi pour vraiment commencer l'année et qui m'a accompagnée durant tous mes make-up aux États-Unis. Donc voilà. On termine avec un crayon que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'ai fini par le trouver à New York et croyez-moi, c'était vraiment pas une partie de plaisir pour le trouver. Je crois que c'est le dernier au monde. Alors si vous le trouvez, bon courage. C'est le Soar de chez MAC. C'est un crayon pour les lèvres. C'est celui qu'a conseillé la petite Kylie Jenner sur son compte Instagram. Depuis qu'elle l'a conseillé, c'est comme ça qu'elle faisait sa bouche qui était beaucoup plus grosse. Ce crayon est en rupture de stock totale dans tous les Sephora dans tous les MAC que je connais, même ma sœur qui a réussi à en avoir un en Allemagne a vraiment galéré. Moi j'en ai fait plein, c'est-à-dire que j'en avais aucun au Texas, j'en ai trouvé. C'était le dernier dans la boutique MAC à New York. Voilà, j'en suis super fière, super contente et je vais essayer de le faire durer au maximum. Bon, je vais vous en faire l'éloge, même si dommage si vous ne l'avez pas, mais super si vous avez réussi à en avoir un. C'est un nude très soutenu qui ressemble d'ailleurs beaucoup dans sa version du coup crayon, du coup mat, que le Sunak Laure cosmétique que j'ai acheté, qui est la teinte Glamorous. Et donc celui-là permet de faire vraiment une bouche beaucoup plus pulpeuse, beaucoup plus naturelle, très mat et vraiment très très belle. De tous les jours. Donc voilà, donc ce crayon, je l'aime, je l'adore et je vais l'utiliser avec parcimonie pour qu'il me dure une éternité. Et enfin, et oui, je vous disais que c'était vraiment très rapide pour ses favoris pour ce mois-ci, c'est mon agenda de chez Franky Press Magazine. Je l'adore, je vous en avais parlé. C'est un agenda qu'on achète, qu'on précommande du moins au mois d'août pour qu'il arrive fin novembre, début décembre. Et il est en édition limitée, donc il faut vraiment se grouiller quand il est disponible. Et je l'adore. Il est, donc sa pochette est en tissu comme ça. Il est magnifique, je l'utilise, je le prends toujours avec moi. Cette année, ils ont rajouté un petit élastique pour pouvoir mettre un stylo ou un crayon. Et à l'intérieur, c'est tellement girly, c'est tellement mignon, c'est tellement design. J'adore. Je peux noter vraiment tous mes rendez-vous, tout, voilà, je vous disais que j'ai une vraie obsession en ce moment avec mes calendriers et mes agendas, donc ça voilà, c'est un exemple typique d'un de mes agendas, mais je l'aime beaucoup et le design est tellement magnifique, enfin j'en suis dingue, c'est comme avoir un petit doudou mais en livret, toujours avec soi, donc voilà. C'est mon favori, donc j'espère pour vous que vous avez pu en avoir un. Ça fait 3 ans que j'ai des agendas Franky Magazine et je les adore. Voilà, en tout cas en août, je vous rappellerai d'en acheter si vous oubliez, mais achetez-le l'année prochaine si c'est pas fait. J'adore cet agenda. Pour les favoris de ce mois-ci, j'espère que ça vous a plu même si c'était assez court. Je vous retrouve très très vite pour une vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à liker ma page Facebook et mon Twitter et mon Instagram, pourquoi pas. Je vous fais des très très gros bisous. Oh, j'espère que ça va, franchement j'espère que tout se passe bien dans ma vie, en tout cas je l'espère le plus sincèrement du monde et je vous fais des gros 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 gros, gros bisous.